Bonjour et bienvenue dans cette méditation guidée. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour vous aider à avoir confiance en la vie et en l'avenir. Prenez le temps de vous installer confortablement et commencez à vous mettre à l'écoute de vos ressentis. De votre état d'être. Préparez-vous à un environnement douillet pour accueillir votre présence. Doucement, le calme s'installe en vous. Vous prenez conscience de vos inspirations et de vos expirations. Permettez-vous de respirer calmement, en conscience, afin de vous reconnecter à vous-même. Si des pensées surgissent, souriez, puis laissez-les s'éloigner, tels des petits nuages qui rejoignent le ciel bleu, et revenez à votre respiration. Peu à peu, laissez votre souffle de vie vous dévoiler ses secrets et vous adoucir. C'est à vous. Vous êtes de plus en plus détendu. Votre activité mentale ralentit. Vos tensions se libèrent. Vous êtes
à l'écoute de vous-même. Vous prenez conscience de vos jambes. De votre ventre. De votre dos. De la cage thoracique. De vos bras. De votre cou. De votre tête. Vous permettez à tout votre corps de se relâcher profondément. Vos muscles se reposent, se décontractent. Votre esprit s'allège. Vous profitez de cette intimité retrouvée. Votre respiration est douce, fluide, généreuse. Vous ressentez l'air qui entre et sort par vos narines. Vous appréciez et profitez de cette fraîcheur, de cette détente qui continue de s'installer en vous grâce à votre souffle. Vous respirez dans le calme et le silence. Vous êtes à présent plus apaisé, plus attentif. Et c'est dans cet état de quiétude que vous vous permettez
de voyager. La légèreté de votre esprit vous dépose avec délicatesse dans un merveilleux jardin. Les rayons de soleil illuminent ce paysage et, en douceur, viennent caresser votre visage. La nature vous accueille et vous enveloppe de parfums aux mille senteurs. Vous flânez et profitez de ce lieu de sérénité. Autour de vous se dévoilent des arbres majestueux, des fleurs colorées, des oiseaux mélodieux. Ici, le charme opère. Vous admirez et animez à votre guise cette ambiance si chaleureuse. Dans cette beauté paisible et ensoleillée, vous remarquez un petit arbre fruitier. Il est à peine plus haut que vos genoux. De façon insolite, entre pluie et éclaircie, lui seul semble affronter les intempéries. Lui seul est coiffé de nuages menaçants. Très vite, vous comprenez que ce petit arbre est à votre reflet et ce climat environnant représente vos émotions, exprime votre mémoire. L'atmosphère qui règne autour de cet arbuste symbolise les étapes difficiles de votre vie. En repensant à certaines de vos expériences douloureuses, le vent se lève, les nuages deviennent plus menaçants. L'arbuste est à présent malmené et vacille de tous les côtés. Dans ses bourrasques, il peine à se développer. Vous ressentez sa fragilité. Votre fragilité. Et doucement, le vent faiblit. Petit à petit, le soleil réapparaît sur la plante. Spectateur, vous observez sa transformation. Ses racines, son tronc et ses branches se sont fortifiées. Inondé de lumière, il trône à présent devant vous. Vous restez admiratif face à cette capacité d'adaptation qu'a fait preuve ce petit arbuste. À présent, les formes d'un bel arbre se dessinent et il se trouve maintenant à hauteur de vos yeux. Les nuages se dispersent et, sans disparaître totalement, prennent de l'altitude.
Vous comprenez que les intempéries, suivies d'éclaircies, font grandir l'âme et la nature. Je vous propose de prendre un petit instant pour vous rappeler vos périodes difficiles. Observez-les et laissez ce climat mouvementé révéler votre capacité d'adaptation. Puis, souvenez-vous de la chaleur réconfortante et épanouissante du soleil. Acceptez ce processus afin de développer un corps robuste et fertile. Accueillez ce procédé afin de permettre à vos branches de soutenir et produire des fruits juteux et charnus. Soyez l'observateur de votre évolution et continuez à faire grandir votre arbre de vie, votre âme. C'est à vous. Votre persévérance et votre courage portent leurs fruits. Maintenant, vous récoltez la récompense de vos expériences. À présent, vous savez vous soigner et nourrir généreusement votre entourage. Vous êtes noble, solide et fructueux. Vous pouvez désormais offrir par votre feuillage l'ombre rafraîchissante des journées ensoleillées. Vous êtes devenue la branche sur laquelle on peut se reposer.
vous êtes aussi cet abri sous lequel on se réfugie par temps de pluie. La graine de vie a été plantée en vous par l'architecte divin. Vous avez à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour grandir, pour améliorer votre intérieur et votre environnement. Quand vous vous sentirez dos au mur, quand vous penserez vivre les instants les plus difficiles de votre vie, souvenez-vous, la lumière reste présente. Le soleil attend patiemment son tour et c'est avec tous ces facteurs réunis que la nature s'adapte et grandit. Grâce à ce voyage intérieur, je vous invite à avoir confiance en la vie, en l'avenir, mais surtout en vos capacités d'adaptation et de floraison. Ouvrez-vous et laissez la vie vous offrir ses plus beaux cadeaux, ses plus beaux fruits. Il est temps à présent de vous enraciner dans votre réalité physique. Vous allez doucement revenir de votre jardin intérieur. Vous reprenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez. Vous prêtez attention aux odeurs. Aux sensations de votre corps. Vous ressentez votre énergie qui a évolué. Quand vous vous sentirez prêt, commencez à bouger les orteils, les doigts et peu à peu tout votre corps en douceur. Revenez grandi de ce voyage. Nous vous souhaitons un beau chemin de vie dans le partage et l'amour. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau voyage.